الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله الشيخ فيدل Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous prions sur le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après, nous continuons avec notre assise sur le livre Al-Akhdari. Ce livre des passages que nous avions dit, c'est un livre qui a enseigné la foi. C'est un livre qui a parlé des vertus de l'islam. C'est un livre même qui a abordé les comportements que nous devons partager entre nous, soit à faire ou bien assez éloignés. Chers parents, nous avions choisi ce type de formation parce que c'est le plus utile, c'est le plus important. Comme nous le disons tout le temps, écoutez le rappel, le prêche, c'est une très bonne chose dans notre religion. Le Coran a soutenu cela, la Sunna a aussi soutenu cela. Une bonne partie des entretiens du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était toujours ces rappels-là. Mais plus important que ce rappel, c'est d'apprendre, c'est d'être formé, c'est d'être indépendant, c'est d'être responsable de soi-même. Parce que lorsqu'on connaît les sujets, les statuts de nos mouvements, de nos adorations, les droits, si en ce moment nous pouvons les exercer. Beaucoup parmi nous, c'est des musulmans, alhamdoulilah. Ils prient, ils jeûnent, ils se purifient. Mais comment? C'est là où il y a les problèmes. Beaucoup de nos communautés ont appris tous ces éléments d'adoration avec les gens au fil du temps, par habitude. Mais si tu le poses la question, qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais? Là, il ne trouvera pas quelque chose de grand à te dire. C'est en même moment, il peut avoir erreur dans sa façon de faire. Il ne peut pas arranger. Parce qu'il a appris ça avec le temps, avec les gens. Mais lui-même, il ne sait pas qu'est-ce qu'il s'agit. C'est pour cela, toutes les questions que nous allons aborder dans ce livre, il va te donner la définition de la chose, de l'adoration, son support, la source, là où tu as pris ça, et comment tu dois faire ça. Nous avions parlé de l'ablution, qu'en français, il ne peut pas donner le vrai sens de cette activité dans l'islam comme il se doit. On a développé des manières, chacun de nous, dès qu'il sort dans le cours, lui-même, il peut aller enseigner ça à son enfant, à sa femme, à son entourage. C'est ça qu'on appelle la formation. Ta'allum al-ilm. Quand tu connais ces questions et tu es en accord avec ce que le prophète veut, un jour, un monsieur est rentré dans la mosquée. Sûrement, il est musulman. Mais il est venu, il a exercé la prière. Le prophète, il lui est regardé, en train de faire les mêmes choses d'habitude. Mais il a dit à ce monsieur, retourne, va refaire ta prière. Tu n'as pas prié. Mais parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas bien faites. Le monsieur est allé, il a prié. Le prophète lui regarde bien, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit au monsieur encore, va refaire la prière. Tu n'as pas prié, 3 fois. Quand le monsieur, il a su que vraiment, voici sa limite, lui ne peut rien faire que ça, il a dit, fawalladhi ba'asaka bilhaq. Je jure par celui qui t'a envoyé par la vérité. Ma uhsinu ghayra hadha. Moi, je ne connais pas une autre façon de faire la prière que ça. Il y a ça beaucoup dans notre communauté. Ils prient.
Et ce qui est étonnant, il aime la prière. Il est croyant. Mais comme il ne s'est pas donné le temps d'apprendre, il perd beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il a dit, « Ma uhsinu ghayra hada, fa'allimni. » Il lui est suite posé la question, demandé la doléance, « Enseigne-moi. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, « Idha qumta ila salah. » Après que tu as terminé avec la blessure, si tu te lèves pour aller faire la prière, « Fakabbir. » ثم اقرا بفاتحه الكتاب ثم اركع حتى تطمئن راكعا. Le hadith là est long. Ce que je voudrais dire ici, c'est que la formation est la meilleure des choses que nous apprenons dans notre religion. Même si les questions ne sont pas beaucoup, pourvu que c'est des questions essentielles, ça suffit. Je vous ai dit l'autre fois l'histoire d'un bédouin villageois. Leur tête là ne prend pas beaucoup de choses. Il est venu, il est rentré dans la mosquée. Le prophète est là avec les compagnons. Il a dit, « Ya Rasulallah, dis-moi, moi, si j'ai pris les 5 prières, j'ai jeûné mon mois de Ramadan, j'ai donné mon zakat, j'ai aussi fait le pèlerinage, est-ce que je vais entrer dans le paradis ?» Le prophète lui a dit, « Sallallahu alayhi wa sallam, oui, tu vas rentrer dans le paradis. » Le monsieur, le villageois là, ils n'ont pas beaucoup de protocoles. Hein. Il s'est mis, il s'est levé. Il a juré. Il a dit, Wallahi, dans toute ma vie qui reste là, je ne vais rien ajouter à ces 5 choses que je viens de citer. Ces choses que je viens de citer, si je le fais, je vais rentrer dans... Je ne vais rien ajouter. Je ne vais non plus rien diminuer. Il a pris ses bagages, il est sorti de la mosquée, il est parti chez lui. En sortant, le prophète lui a dit, celui d'entre vous qui voudra voir un homme habitant du paradis qui marche sur terre, que le regarde ce monsieur. Ce qui explique la simplicité de l'islam. L'islam est tellement simple, on ne peut pas imaginer. Mais le problème, c'est dans notre camp. Nous sommes des musulmans par le nom, mais nous ne nous intéressons pas à apprendre. Sinon, un peu d'action seulement, khalas, quelqu'un est dans le paradis. Il a dit aflaha wa abihi in sadaq. Aflaha wa Allahi wa in sadaq. Il a dit ce monsieur, il va réussir, il va avoir le paradis s'il tient à sa parole. Mais il est venu apprendre. Même s'il n'a pas donné les détails, mais c'est ces détails-là que le prophète a passé tout son temps à enseigner. Innama bu'istu mu'alliman. Ce qui veut dire que vraiment, trouvons un petit temps de notre temps d'apprendre ces questions que beaucoup le font, mais autrement. Ils ne le font pas par rapport à la manière que l'islam a enseigné et les savants ont bien défini. Dans notre livre de Al-Akhdari, on a dit l'ablution, c'est d'utiliser de l'eau dans quelques membres, pas tout le corps, 4 membres, le visage, les 2 mains, essuyer la tête et laver les pieds. Ça, c'est en gros modos. Les questions essentielles, principaux. Si un manque, ton ablution n'est pas valable. Lorsqu'on dit laver, il y a des fidèles musulmans que lorsqu'ils lavent certains membres d'ablution, ils ne le lavent pas. Ils font passer seulement l'eau dessus. Ils ne frottent pas. On n'appelle pas ça laver. Leur ablution n'est pas propre, n'est pas correcte. Imaginez, tu as prié 50 ans comme ça. Tu fais l'ablution de la même façon, qui ne remplit pas les critères, qui n'est pas bien faite. Si l'ablution n'est pas bonne, la prière ne peut pas être bonne, ce n'est pas possible, parce que c'est une condition indispensable. Donc on a vraiment parlé, surtout le point de laver. Il y a des membres, on ne les suit pas. Alors on a des gens, quand ils font l'ablution, ils font passer seulement la main sur les bras et ils ne frottent pas. Ou bien d'autres versent seulement de l'eau, il ne touche pas. Celui qui fait son ablution comme ça, son ablution est nulle et non effective. Et s'il fait la prière, ça ne va jamais suivre, ça ne va jamais se valider. Donc ce ne sont pas des petites questions que nous discutons ici. Ce livre de base, il a traité cette question. Et après la semaine passée, il nous a parlé des sunan. Sunan al-wudu'i, ce sont des cires obligatoires, c'est-à-dire... C'est des choses qui vont
embellir l'ablution, qui vont le rendre proprement exercé, même s'ils ne sont pas obligatoires. Celui qui lave les quatre membres là, proprement dit, son ablution est valable. Le reste des choses, que, qui est de renouveler de l'eau pour les oreilles, ou bien faire retourner l'essuiement de la tête, ou bien laver des poignets avant de les mettre dans les récipients là, tout ça sont des choses complémentaires à l'ablution. Celui qui les fait en tant que sunnah, il va avoir la récompense, plus que celui qui ne le fait pas. Donc dans les adorations souvent, il y a al-mujizu wal-kamil. Al-ghuslu awil-wudu al-mujizu, c'est l'ablution qui a rempli les quatre critères à laver ou à passer l'eau dessus. Mais walakin al-wudu al-kamila, c'est celui qui a respecté toutes les sunnahs. Tout ce qui est surrogatoire, qui n'est pas obligatoire, que le prophète l'a fait, les gens l'ont vu faire, ceux qui ont rencontré son ablution, ils l'ont cité, qu'il faisait ces choses-là, toutes ces choses-là, c'est lui qui le fait de plus, Wallahi, il va avoir la récompense de plus. Il y a beaucoup de questions dans notre religion que les gens en ont fait une question de débat. Telles que renouveler de l'eau en lavant les membres, laver-le deux fois, laver-le trois fois, ou bien même la grande question que vous, qui nous sommes souvent, attraper les mains dans la prière ou baisser les mains. Avec beaucoup de sujets, ce n'est pas une question de conflit ni de guerre. C'est le shaitan seulement qui a profité. Un grand savant, et Ibn Abdelbar, Félix Tizkar, dans un grand livre des Malikites, il a dit toutes ces questions qui sont surrogatoires, complémentaires et autres là, ce sont des choses que les savants ont discuté là-dessus, mais de le faire et de ne pas le faire n'affecte aucune adoration. Ça passe, ça c'est valide. La question va seulement rester, celui qui le fait, c'est son intention qui compte. En suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui il a plus de récompenses. Tel que mettre la main sur l'autre dans la prière, celui qui ne le fait pas là, ça n'affecte jamais sa prière. Ses prières sont valables. Mais celui qui attrape les mains dans la prière, c'est un exemple que je donne, lui il a un plus de récompenses. Pourquoi? Parce qu'il a appliqué la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais le shaitan, lui aussi, il est trop stratège. Il s'accroche à ses sujets, il fait des conflits, les gens tirent, l'autre tire de là-bas. Dans ces questions-là, certains ont sorti certains de l'islam. D'autres ont mis certains par leur bouche dans l'enfer, alors que ça ne mérite aucun débat. La question est simple. C'est entre avoir une sunna de plus, une bénédiction de plus, une exactitude de plus, une bonne formation complète de plus, ou se limiter aux questions essentielles, comme ces bédouins que je viens de vous parler, son histoire. Aujourd'hui, nous continuons avec ces mêmes complémentaires. Al-Fada'ilu. Ils ne sont pas aussi, ils suivent les sunnahs. Ce sont des choses que le prophète avait l'habitude de faire pendant son ablution, qui rend les ablutions ou l'activité plus simple et plus complète. قال الشيخ رحمه الله صاحب الأخضر إلى دي وفضائله. الفضائل lorsque quelqu'un construit la maison, même s'il n'y a pas fenêtre, il peut dormir dedans, vrai ou faux? Mais quand il y a fenêtre, ça fait comment? Ça rend encore la maison plus confortable. Si les fenêtres là, ils sont bien faites, ce n'est pas en bois, c'est en belle vitrée, ça va le rendre encore plus confortable. On peut dormir dans ces maisons sans climatisation, vrai ou faux? Le ventilateur peut suffire. Mais pourquoi on amène toutes les commodités, les rideaux, les... Ça, c'est pour être à l'aise. La même chose, on a besoin de ça dans nos adorations. Wa fada'iluhu, les choses d'embellissement qui rend nos adorations en toute perfection. Et aussi en suivant la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parmi ces choses, as-siwa, at-tasmiyatu. At-tasmiyatu, c'est de dire bismillah au début. Ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah. Pour toute chose, qu'est-ce que nous avons dit à l'ouverture de ce livre? L'auteur de notre livre, il a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
Il a porté un hadith, le prophète, il a dit Kullu amrin dhi balin lam yubda fihi bi bismillah fa huwa abtaru aw fa huwa aqta'u. Dans la vie, toute chose bénie que l'homme fait, et l'ablution fait partie des choses bénies. Rentrer dans la douche pour aller laver le janaba, c'est des choses bénies. Donc toute chose bénie, quand on commence là, on dit bismillah. On peut avoir quelque chose de plus béni qu'une ablution? C'est un peu difficile. À tasmiyat. Quand tu fais l'ablution, pourquoi tous ces éléments? Pour que l'homme musulman, quand il va faire l'ablution, qu'il le fait en toute âme et conscience. On ne s'élève pas seulement pour faire des choses comme ça, pour nous dégager, comme la plupart de notre cas aujourd'hui. Beaucoup des adorations, nous on le fait par contrainte. Si on ne le fait pas, les gens vont nous blâmer. On a peur des gens. Mais par amour, non. Ceux-là qui font les adorations par amour, ce sont eux qui vont se battre pour appliquer toutes les sunnahs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire pendant son ablution. Ça, c'est un. At-tasmiyatu. À partir d'aujourd'hui, nous, quand on apprend, on est pragmatique. On apprend, on pratique. On apprend, on pratique. C'est pas seulement qu'on vient, si on écoute les belles paroles, on passe là. Dès que tu apprends, c'est pour cela que l'école est très complexe. Tous les jours que Dieu fait, quand quelqu'un va à l'école, normalement il doit retourner avec un point de plus. Une information qu'il ne connaissait pas. Donc à partir d'aujourd'hui, beaucoup savent qu'au début de l'ablution, on dit bismillah, mais on oublie souvent. Ou on prend ça à la légère. Désormais, appliquons ça. Parce que à l'islam, al-imanu, qawlun, wa amal. C'est de parler et en même temps exercer. Donc à partir d'aujourd'hui, si tout le monde, vraiment en commençant leur ablution, peut dire bismillah, ça sera une très très bonne chose. Où est-ce qu'on a pris ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith très bien, que beaucoup de savants ont rapporté dans leur grand livre, il a dit dans un hadith, la salata liman la wudu adahu, n'a pas de prière celui qui n'a pas fait l'ablution. Wala wudu'a, n'a pas une ablution aussi complète. Liman lam yadhkur isma Allah alayhi, pour celui qui ne dit pas les noms d'Allah dessus. Mais les savants ont orienté cette phrase en disant il n'y a pas une ablution complète. Parce que je viens de vous dire, les quatre membres que, par exigence que nous devons les laver, sont quatre. Même s'il n'y a pas de bismillah, son ablution passe. Mais il va réduire beaucoup des récompenses. Par exemple, deux personnes, ils ont lavé tous les membres. Mais l'autre a dit bismillah, l'autre n'a pas dit bismillah. Qui a plus de récompenses? Donc ici, il parle de qu'il n'y a pas une ablution complète qui remplit tous ces critères pour celui qui n'a pas cité le nom d'Allah au début. La plupart de ces hadiths, souvent, les savants ont parlé de leur authenticité. Ils disent que non, celui qui a rapporté ce hadith-là n'est pas trop authentique là, par rapport à son contenu qui exclut. Mais ce n'est pas une exclusion totale de l'ablution. Ils veulent parler ici que la récompense serait beaucoup amoindrie, c'est-à-dire diminuée si la personne ne dit pas bismillah. Wassiwaku. Wassiwaku, c'est le cure-dent. Hein? Les bois qu'on met dans la bouche là, pour frotter, pour enlever, pour nettoyer les dents, ça fait partie aussi des fada et de l'oudou. Ce n'est pas obligatoire, coûte que coûte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude, quand tu vas passer à l'ablution, il a son siwak, il frotte ses dents et après il passe à l'ablution, il continue l'ablution. Il a même dit dans un hadith, rawahu al-tabarani fi al-awsat, لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند مع كل وضوء. Si ce n'était pas que j'ai peur d'être trop dur, d'amener beaucoup de choses sur ma communauté, j'allais leur ordonner de frotter les dents avec le kirnan pour chaque ablution. Si on fait ça comme une condition indispensable, à beaucoup vont rater. Parce qu'à la vitesse que nous avançons aujourd'hui, on n'a pas le temps de tout le temps de mettre ça à la bouche. Déjà, certains nous voient comme des villageois. Comment nous frottons les dents et puis il y a la saleté qui sort et puis ça,
c'est une autre étape de l'amour de l'œuvre. Les savants ont jugé par rapport à cette parenthèse que le prophète il a ouvert, que ça sera une très bonne chose si quelqu'un à chaque ablution et il frotte ses dents, parce que le siwak là, mataharatun lil fami wa mardatun lil rabb, c'est quelque chose qui purifie l'odeur de la bouche et c'est quelque chose que Allah aime autant. Ça fait partie aussi des choses supplémentaires de l'ablution. Wazaidu ala al-ghaslati al-ula, lorsqu'on fait l'ablution, la foi qui est obligatoire, si tu ne le fais pas, tu n'as pas l'ablution, c'est la première fois, c'est le premier lavage, c'est ça seulement qui est indispensable. Mais la deuxième fois, laver le membre à quatre, deux fois, trois fois, ça ce sont des choses complémentaires et ou bien supplémentaires. Wazaidu ala al-ghaslati al-ula, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont vu son ablution, il est en train de faire l'ablution, ils sont tous unanimes que l'obligatoire, ce qu'on ne peut pas faire moins, ce qu'on peut faire obligatoirement, c'est une seule fois. Mais qu'en est-il du deuxième fois et de la troisième fois? Quels sont leurs statuts? Parce que Ibn Abbas, il a rapporté un hadith. Il fait partie aussi des gens qui ont vu le prophète sallam s'ablutionner. Il a dit, قال صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه ابن عباس توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة. Le prophète, il a fait l'ablution une fois, il a lavé les membres une fois, qui est obligatoire. Donc, le deuxième fois et le troisième fois, c'est d'autres qui ont rapporté, parce qu'eux aussi, ils ont vu le prophète, une fois il faisait l'ablution, il a lavé ses membres-là deux fois, il n'a pas fait trois. D'autres aussi ont rapporté qu'il a fait aussi trois fois. Toutes ces choses-là ont été vues par le compagnon. C'est pour cela, c'est devenu min fada'il al-wudu. Hadith Abdullah ibn Zayd, lui aussi qui a rapporté l'ablution du prophète sallallahu alayhi wa sallam plusieurs fois, il a dit ra'aytu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam tawadda'a marratayn marratayn. Il a fait l'ablution deux fois bima'na les membres qu'on lave, il a lavé ça deux fois. Ousmane ibn Affan, lui aussi, il a rencontré qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a lavé les membres trois fois. Donc depuis cette façon de citer, les savants sont unanimes que c'est la première fois seulement qui est obligatoire. La deuxième, c'est un sunnah. Troisième, c'est un sunnah. Sunnah wal fadilatu bima'na wahid. Il se retrouve dans le même sens. Celui qui le lave deux fois, c'est une bonne chose. Celui qui le lave encore trois fois, lui, il a fait l'option le plus complet. Il a fait le plus complet. Je viens de vous dire qu'on a deux options. Une option suffisante, c'est la première lavage. Une option complémentaire, c'est la deuxième. Une option supplémentaire. Donc souvent, lorsqu'on ne connaît pas ces détails, on bagarre pour rien. Tu vas trouver quelqu'un qui va venir te dire que si tu ne laves pas le membre trois fois, ton ablution n'est pas valable. Lui ne connaît pas. C'est pour cela, les malikites, ils ont une règle. Ils ont fait une exception. Laver les membres une seule fois, il le permet seulement pour un connaisseur. Parce qu'un connaisseur est censé connaître comment faire la chose, comment laver le membre. Mais celui qui ne connaît pas, il est censé ne pas maîtriser toute la question. C'est pour cela qu'il préfère que lui, il fait deux ou trois. Au moins, ce troisième va trouver qu'il a bien lavé le membre. Mais quand tu as celui qui connaît correctement le fiqh ou comment il doit faire l'ablution, une seule fois lui suffit. Parce qu'il a la maîtrise de son sujet. Il parle même d'un poète, une poésie. « Wa karihu wahidatan fil ghusli » C'est-à-dire, il déteste, il n'interdit pas que quelqu'un lave ses membres de l'ablution une seule fois. Mais sauf qu'il déteste, il ne voit pas ça joli pour éviter à la personne de ne pas faire quelque chose qui va affecter son ablution négativement. Le quatrième fadilat
de al-wudu supplémentaire, al-bida'atu bi muqaddam ar-ra's. Quand on va essuyer la tête on ne le lave pas dans l'ablution. Dans l'ablution uniquement. Mais dans le ghusl al-janabati on le lave. Mais dans le wudu, on l'essuie seulement. C'est-à-dire la même ouïla, on fait passer ça sur la tête. Comment on va faire cela? On commence à essuyer la tête avec la même ouïla aux limites des cheveux. On commence par là, on va avec ça en arrière. Parce que Abdullah ibn Zayd qui a rapporté l'ablution du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam masaha ra'sahu biyadihi » Il a essuyé sa tête avec sa main. فَأَقْبَلَ بِهِمَا Il a commencé par la devanture. وَأَدْبَرَ بَدْعًا بِمُقَدَّمِ الرَّأْسِ Vous voyez les gens? Toute phrase qui a rencontré l'ablution du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas négligé cette phrase. C'est ça le fiqh de Malikiya. Certains pensent que le mazhab l'imam Malik est facile et autres là. Parmi les mazhab là, s'il y a un mazhab qu'on peut dire qu'il est un peu difficile, c'est mazhab l'imam Malik, rahimahullahu, ou radiyallahu anhu. Parce que là, il insistait sur l'exactitude. C'est pour cela, les mots, pour ne pas dire les phrases, avaient le sens pour lui. Al-bida'atu bimuqaddami ra'si. Donc quand on fait l'ablution avec toute cette beauté, cette perfection, ça va nous augmenter la récompense et ça va valider plus nos adorations. Ce hadith de Abdullah ibn Zayd, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Pour quelqu'un ne doute pas de l'authenticité des hadiths, etc. Cinquième fadila supplémentaire de wa tartibu sunani. Les sunan que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait, il faut le faire à la même classement, classification. Ne saute pas à la manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait. Donc il faut aussi respecter cette façon. Souvent tu peux oublier une partie, tu vas mélanger autre là, ça passe. Mais c'est lui qui va vraiment suivre l'exactitude, le classement comme le prophète l'a fait. Et ça sera une très bonne chose pour son ablution. Parmi les fada'il al-wudu aussi, wa taqdimu al-yumna ala al-yusra. Les membres qu'on lave ou on essuie, on commence par le droit et avant la gauche. Les hadiths d'Aïcha radhiyallahu anha qalat. Notre mère Aïcha a rapporté un hadith qalat kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète était pas seulement dans la mission. Là, il fait une citation générale de toutes ces situations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait at-tayamuna, c'est-à-dire de commencer avec les droites. Toutes choses bénies, il commençait par les droites. Fi tana'ulihi, lorsqu'il porte ses chaussures. Wa tarajjulihi, lorsqu'il marche. Hein? Lorsqu'il marche, il va toujours commencer par les droites. Aw tarajjulihi, il avait l'habitude aussi de peigner ses cheveux, de le partager en deux. Donc ça, il commençait toujours par le côté droit. Wa tahurihi, même dans sa purification. Que ce soit l'ablution ou le grand bain, le ghusl al-janaba, il commençait toujours par le droit. Wa fi sha'nihi kullihi, et dans toutes ses étapes. Tout ce que le prophète faisait en termes d'adoration, il commençait par la droite et puis terminait par la gauche. Donc, ces hadiths aussi, Al-Bukhari ou Muslim l'ont rapporté. Et les hadiths d'Abi Hurayra radhiyallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال c'est pour cela on a dit toutes les phrases, les mots et à l'akhdari qu'on expose ici, tu vas trouver qu'il y a un hadith qui soutient cela. Mais donc celui qui apprend ce livre là, il apprend tout l'islam avec, il apprend avec le dalil. Personne ne pourra lui égarer d'une malversation quelle que soit. Il a dit dans le hadith d'Abu Hurayra, wa idha labistum wa idha tawadda'tum فابدأوا بأيمانكم رواه أبو داود والترمذي والنسائي. Lorsque vous portez vos habits, pantalon, culotte, bobo, hein, qui a les deux manches là, il faut toujours commencer par à droite. وإذا توضعتم, lorsque vous faites aussi l'ablution, فابدأوا بأيمانكم, toujours commencer par la droite. Commencez par la droite.
C'est une très bonne sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le septième fadilatul wudu, wa qillatul ma'i ala al-wudu'i. Quand on fait l'ablution, ce n'est pas permis d'utiliser trop de l'eau sur le membre. Même si on dit laver se fait avec de l'eau, mais ne gaspille pas de l'eau. Parce que gaspiller du bien matériel n'est pas la bienvenue dans l'islam, à l'israf. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidil, wa kulu wa shrabu, wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin. L'excès n'est pas du tout la bienvenue dans l'islam. Même si tu as l'abondance, il faut te limiter au volume de l'utilisation ou du besoin. Faut pas dire seulement qu'il y a l'eau en abondance, tu vas le gaspiller en ablution. Non, ce n'est pas recommandé dans notre religion. وَرُوِيَ أَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ أَنَسْ إِبْنْ مَالِكٍ. Un compagnon, un grand compagnon qui était aux côtés du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, كَانَ رَسُولُ اللَّهِ sallallahu alayhi wa sallam يَغْتَسِلُ بِالسَّاعِ. As-sa' c'est 2.5 litres. 2.5 litres as-sa'. Le prophète, il avait le janaba avec 2.5 litres de l'eau. Et l'eau arrivait à tout son corps. Le quart de 2.5 litres, calculé, c'est combien? 1.5 litre et plus. Quelqu'un peut faire l'ablution avec 2.5 litres. Les membres seront bien lavés. Cela veut dire que il ne gaspillait pas de l'eau. Il se suffisait avec ce que l'eau, le volume de l'eau qui lui suffit, soit dans sa purification, le grand bain, ou soit dans son ablution. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Donc nous aujourd'hui, comme on a les douches, ceux qui ont aussi l'eau chaude, la sunna, il ne faut pas trop utiliser de l'eau. Même si tu as la douche, ça, ces verses-là, ce n'est pas du tout bien. Abdullah ibn Omar, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a dépassé un monsieur, Sa'ad, marra bi Sa'ad. Ayu Sa'ad, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Allahu a'lam, je ne connais pas c'était quel Sa'ad. En tout cas, un Sa'ad. Wa huwa yatawadda, il était en train de faire de la pression, c'est Sa'ad-là. Faqala, le prophète lui a dit, ma hadha israf, pourquoi tu gaspilles autant de l'eau pour ton ablution? Faqala Sa'ad a dit, afil wudu'i israf, il s'agit quand même de l'ablution. Y a-t-il aussi l'excès, l'abondance pour utiliser de l'eau dans l'ablution? Qala alayhi salam, na'am, oui, il y a l'israf dedans. Parce que l'eau que tu es en train de dépasser les limites pour laver, c'est un bien d'Allah. Pourquoi tu vas gaspiller? Peut-être quelqu'un d'autre viendra aussi sur cette. Même s'il n'y a pas quelqu'un, la sunna, ce n'est pas gaspiller de l'eau pendant son lavage ou son ablution. Le prophète, il a confirmé, oui, il y a l'israf dans le wudu. Wa in kunta ala nahrin jari, même si tu es sur un fleuve qui coule, qui va là où on ne connaît pas, qui est abondant. Donc, ne gaspille pas de l'eau pendant tes purifications. Donc, voilà les bonnes sunnas supplémentaires qu'en faisant l'ablution, nous pouvons nous intéresser. Il ne s'agit pas seulement de laver ces quatre membres qui sont indispensables. Non. Il y a des choses qui embellissent. Il y a des choses qui rendent ça propre. Il y a des choses qui augmentent la récompense. Lorsqu'on fait l'ablution, c'est toutes ces choses-là qu'il faut prendre en compte. Il ne s'agit pas de nous dégager la responsabilité. Il ne s'agit pas que nous faisons ce qui veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime lorsqu'il nous dit de faire quelque chose que nous ne sortons pas dans l'exactitude. C'est-à-dire, nous faisons ces adorations à la même façon que le prophète l'a fait, ou il a aimé, ou il a sollicité. C'est ça aussi, en partie, la soumission vraie. Mais les gens que peut-être l'islam n'est pas encore rentré profondément ou sincèrement dans leur cœur, quand tu vas souvent vouloir les redresser, les cadrer sur ces détails-là,
qui ne sont même pas obligatoires, ils vont dire, ah, vous aussi, vous rendez les choses difficiles. Laissez-nous faire la chose comme on peut. Non, c'est la soumission qui a un problème. C'est son acceptation, ça, la simplicité de l'islam qui a un problème chez lui. Donc, ça montre que nous, notre islam, tout notre combat, c'est d'être exact. C'est de suivre les pas du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous continuons pour terminer sur un passage qu'il a dit. C'est aussi, ça fait partie des choses complémentaires. Wa qala shaykh rahimahullah, wa yajibu takhlilu asabi an yadayni. Il est obligatoire, hein, sur celui qui fait la mission, l'intermédiaire des doigts là. Là où souvent l'eau simple, quand tu verses là, tu vas trouver qu'il y a de l'espace. Il est obligatoire que quelqu'un y fait passer ses autres doigts pour que l'eau touche. Il a dit voyage. Il est obligatoire pour que l'eau arrive à tous ces endroits. Ceux qui ont dit voyage, ils ont regardé Aliyad. Quand le Coran il a dit wa aydiyakum ila al marafiq, ils ont pris toute la commodité de la main. Donc si une partie de la main devient affectée parce que l'eau n'a pas touché, ça peut affecter son ablution. Parce qu'il y a un principe que les malikites se basent dessus. Ibrahim fait matière. Si Allah a donné un ordre général, il a dit lavez les mains. Aucune partie de cette main ne doit pas être en marge de l'eau. Deux personnes, il faut la blessure. L'autre n'a pas fait passer l'eau ou ses bras ou ses doigts entre les espaces, les trous là. Je ne connais pas l'appellation de ça en français. Mais l'autre, il l'a fait. Qui a plus de récompense? C'est lui qui l'a fait. C'est pour cela qu'il a dit qu'il est obligatoire parce que ça va lui blanchir. Lui n'aura aucun doute que son ablution n'est pas au complet. وَيُسْتَحَبُّ فِي أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ. Quant à aux orteils du pied, ce n'est pas wajib, c'est mustahab. C'est mustahab parce que les trous qui sont là-bas, peut-être il y a une difficulté de faire passer les doigts là-bas. Il a dit وَيُسْتَحَبُّ فِي الرِّجْلَيْنِ. Mais quant à la main, et c'est obligatoire de le faire. Souvent, certaines différences, nous ne pouvons pas comprendre. Mais la règle qui nous oriente, c'est Ibrahim fait main. Comme Allah a dit de laver les mains, nous n'allons pas laisser une partie sans passer, sans faire passer de l'eau là-bas. En ce moment, on est sûr. Parce que faire l'adoration avec moindre de doutes, ne nous sommes pas favorables. Vrai ou faux? Donc, pour enlever ce doute-là, il faut vraiment aller dans le sens que non, je dois être sûr de cette ablution. Parce que quelque chose de grand, c'est valide par rapport à cette ablution qui est la prière. وَيَجِبُ تَخْلِيلُ لِحْيَتِ. La barbe, le cheveu de ces barbes-là. Lorsque quelqu'un il a longue barbe, et il ne doit pas seulement laver le visage comme ça. Quand il fait l'ablution, il va falloir qu'il fait passer les doigts entre les cheveux pour que l'eau touche, l'eau rentre bien. Al-lihyatil khafifati. C'est pas, comment dirais-je, la barbe qui est fragile, c'est-à-dire c'est mou en fait. Quand c'est mou là, il faut faire passer la main pour que l'autre, la main traverse bien. Mais si Al-lihya et kassifa, souvent s'il veut faire ça, ça peut lui faire mal. Ou bien ça peut être vraiment très difficile pour lui. C'est pour cela qu'il a dit وَيَجِبُ تَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ الْخَفِيفَةِ فِي الْوُضُوءِ. Pendant l'ablution, دُونَ الْكَسِيفَةِ. Contrairement à ce qui n'est pas rude, ce qui n'est pas trop beaucoup et puis mélangé de façon. Sinon, l'option suffisante ici, c'est que l'eau passe dessus. Donc toujours, il est en train de parler de comment avoir une ablution parfaite. وَيَجِبُ تَخْلِيلُهَا فِي الْغُسْلِ. Mais quand on fait le grand bain, quel qu'en soit le cheveu, il faut que l'eau pénètre. Qu'il soit mou ou bien
difficile, hein? Difficile, dur. Donc il va falloir que l'eau touche. Quelqu'un qui a un cheveu dur, s'il fait le grand bain, attention, l'eau doit pénétrer. Si l'eau ne pénètre pas, son grand bain n'est pas complet. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, لِأَنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ. Donc c'est indispensable dans le grand bain. Donc quand tu as un cheveu qui est dur, fais tout pour que tu fais passer l'eau, que ça touche la peau, les chevelures. C'est pour cela les femmes qui font aussi des tresses. C'est pas facile que l'eau pénètre, vrai ou faux? Et alors, qu'est-ce que l'islam leur dit? Ils n'ont pas l'obligation de détacher leurs cheveux, mais ils vont verser de l'eau sur la tête tressée et puis vont taper jusqu'à ce que l'eau entre, toucher les chevelures. Ça aussi, ça fait partie des obligations du grand bain. Ou alors, kanat kasifatan. Même si les cheveux sont durs, pendant quand même le grand bain, il faut faire tout pour que l'eau en touche. Mais voici des questions encore que les gens négligent. Certains ne savent pas. Ils n'ont jamais entendu ça pendant leur lavage. Et ils ont appris seulement, ils nous ont dit de laver. Mais pourquoi? C'est pour cette raison. Parce que partout de l'homme, partout de l'être humain, on va trouver qu'il y a un cheveu. Dans chaque, en bas de chaque cheveu, chevelu, hein, il y a le janaba. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on fait de l'ablution ou bien le grand bain, on amarre tout le corps avec de l'eau. Et puis, on frotte aussi. Parce qu'en frottant, c'est très difficile que là où l'eau ne touche pas. Voici des références que nous pouvons désormais nous intéresser. Pourquoi? Parce que la taharat qu'on fait pour passer à la prière ou aux adorations, sortir de l'impureté, c'est un amana. C'est une dépôt que Allah nous a confiée. Donc, lorsque quelqu'un veut exercer son adoration, il doit tout faire pour que ce amana que Allah lui est exigé, lui est obligé de le faire, qu'il le fait en toute perfection. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit, « Inna Allah yuhibbu idha amina ahadukum amanan an yutqina. » Nous ne venons pas seulement faire les adorations, les purifications, al-wudu, al-ghusl, pour nous dégager la responsabilité. Non, c'est une responsabilité. Tantôt Allah, il nous attend, il nous regarde. Allons-nous faire ça correctement ou bien allons-nous banaliser cela? La partie où il a dit que nous devons tout faire pour faire rentrer, pénétrer de l'eau pendant le grand bain, que l'eau touche les chevelures. Le dalil de ça, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Inna tahta kulli sha'ratin janabatun. » Donc si, par négligence, quelqu'un, il se lave pour le janab, lui sait que sa tête, ses cheveux de tête sont durs, ou bien ça, on appelle ça comment? Sa barbe est dure, les cheveux, qu'il néglige, il fait pas, il verse seulement de l'eau, il est là, il khalliluha, son ghusl n'est pas du tout complet. Ça peut s'annuler. Ensuite, annuler aussi son adoration. Le prophète, il a dit dans un hadith, Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa Ibn Majah wa Al-Bayhaqi, Inna tahta kulli sha'ratin janabatun, faghsilu sha'ra. En bas de chaque chevelure, pour ne pas dire l'ensemble des cheveux, chaque cheveu. Parce que tu attrapes un, hein, tu vois sa place, là où il bouge là. Il y a le janaba en bas là-bas. Raison pour laquelle celui qui lave le janab, l'eau doit toucher tout son corps. Wa anqul basharata. Il a dit, quand vous lavez aussi le janab, il faut bien laver la peau. L'eau doit toucher. Il ne dit pas seulement il n'y a pas de cheveux, tu vas verser de l'eau dessus, tu ne le frottes pas, non. Wa anqul basharata. Entre nous, verser seulement de l'eau sur une partie de la peau lisse. Tu as garanti que l'eau a pénétré sans toucher?
jamais de la vie. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de cheveux à la main de quelqu'un, si lui ne fait pas passer de l'eau, les cheveux là vont bloquer à ce que l'eau arrive à la peau. C'est pour cela qu'il a dit, wa'anqu al-basharata. Il faut nettoyer bien la peau. Vous touchez la peau, donc c'est, voici les références que beaucoup ignorent pendant ces grandes adorations à exercer. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous fasse comprendre. Nous allons nous arrêter pour aujourd'hui ici. Si vous avez des questions autour de ce que nous venons d'exposer, prochainement, on va aller sur les annulatifs de l'ablution. Les choses que lorsque on est en ablution, quelles sont les choses qui vont, lorsque cela nous arrive, l'ablution n'est plus. L'ablution est annulée. Quelles sont les choses qui annulent notre ablution que nous avions fait il y a un peu de temps? Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous fasse comprendre. Donc voilà un peu l'explication de ces sujets que beaucoup d'entre nous, ça sera une première fois d'entendre certaines formations ou informations. Mais ce n'est pas mauvais. Parce qu'à l'islam, c'est cette religion-là. Chaque jour que Dieu fait, tu vas apprendre. Comme ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, istaqim wa lan tahsou. Ce n'est pas obligatoire que quelqu'un il connaît tout au premier jour. C'est une question de formation, continuité, quotidien. Chaque jour qu'on fait, même nous, qui dit que nous connaît tout? Wa qul liman yad'i fi al-'ilmi ma'rifatan hafizta shay'an wa ghabat 'anka ashya'. C'est lui aussi qui a un bagage considérable. Mais attention, tu n'as pris qu'une partie. Il y a encore beaucoup que tu ne connais pas. Si au fil du temps, tu vas tomber sur un hadith que tu n'as jamais vu, tu vas tomber sur une compilation, une compréhension, un passage des savants à l'explication de beaucoup de sujets que nous traitons souvent. On demande à Allah de nous faire comprendre sa religion comme il se doit. Hada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Donc, nous nous arrêtons ici, inshallah. La cour ou le cours prochain, ça sera mawaqidul wudu'i. Des choses qui annulent nos ablutions lorsque nous l'avons fait de passer. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.